que Dieu nous a dit à travers les anges. Les bergers racontèrent ce que l'ange leur avait dit sur ce petit enfant. Et chacun s'étonnait des paroles des bergers. Gloire à Dieu, tout s'est passé comme l'ange nous l'avait annoncé. Voici des mages venus de l'Est qui arrivèrent à Jérusalem. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus pour l'adorer. De quoi parlez-vous? Nous ne comprenons pas ce que vous dites. Demandez à ces gens là-bas. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus pour l'adorer. Un roi des Juifs qui vient de naître? Je n'entends pas sa couronne. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus pour l'adorer. Quel roi des Juifs? Mais c'est Hérode, notre roi! Appelez les chefs des prêtres et les maîtres de la loi. Savez-vous où doit naître le Messie? Bien sûr, Majesté, c'est à Bethléem. C'est écrit clairement par le prophète Michée. Hérode fit venir secrètement les mages. Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, car je voudrais moi aussi l'adorer. Regardez, voici l'étoile que nous avons vue à l'Est. Nous allons voir le roi des Juifs. Suivons l'étoile. L'étoile s'arrêta au-dessus de la maison où se trouvait l'enfant. Les mages et les bergers furent remplis d'une très grande joie. Et toi, comment accueilles-tu la venue de Jésus sur terre? Comme Hérode, es-tu égoïste, seulement soucieux de ton confort terrestre et accablé de peur de le perdre? Ou bien, comme les chefs des prêtres et les maîtres de la loi, es-tu indifférent à cette bonne nouvelle, absorbé par ta routine quotidienne?